Non, c'est pas ce que tu crois. Hello les amis, nous allons parler aujourd'hui musique, et en fait d'un type de chanson un peu particulier. Il s'agit des chansons que l'on qualifie facilement de stupides, de sans intérêt, mais en fait de chansons qui sont efficaces. Ces chansons-là, on n'ose vraiment pas dire publiquement qu'on les aime. À vrai dire, on en a même un petit peu honte. C'est ce que moi j'appelle en fait les plaisirs coupables, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Dites-moi, dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau. Tous les matins, il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. The trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit of Tina's what I see. Tuta 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 tuta. Pourquoi plaisir coupable? Bah parce que tout simplement, c'est des chansons, il faut le dire franchement, on les aime bien. Et puis on se sent un petit peu coupable même de les aimer. Quand vous écoutez ça sur le lecteur MP3, vous faites attention à ce que personne ne regarde ce qui est affiché en fait sur votre lecteur. Imaginez que ce serait marqué Dorothée, c'est Jérôme. C'est un peu la honte quand même. Et pourtant, si on l'écoute, c'est qu'on l'aime bien cette chanson, non? Le problème avec cette musique, c'est que ça renvoie à l'image qu'on donne ou qu'on pense donner. Là, par exemple, j'ai pas honte de me faire attraper. J'écoute Emerson, Lake & Palmer, du rock progressif. Ça va, c'est plutôt la classe. Tarkus, la classe. Hein? D'accord? On a compris. Hein? Là, c'est un petit peu moins classe. Vous entendez? C'est Michel Sardou. Un peu moins classe, quand même. Hein? Mais bien, quand même. Et puis là, en train de te faire choper avec du Karen Cheryl, c'est presque comme si tu te faisais choper en train de regarder un porno, hein. Et puis, tant qu'à faire, si déjà, hein, j'assume, hein, c'est quand même de belles pochettes, non? Hein? C'est un peu moins classe quand même, mais c'est de belles pochettes, hein. Il y a des artistes, par exemple, qui sont complètement ringards, on peut pas dire autrement. Je pense, par exemple, à Franck Michael, à Claude Barzotti, à Patrick Sébastien. C'est le genre de chanteur, voilà. C'est soit pour la fête, soit, voilà, c'est des bons sentiments, enfin. On n'ose pas dire qu'on aime leurs chansons. Bon, en l'occurrence, eux, c'est pas ceux que j'apprécie particulièrement. Mais il y a quand même une forme d'élitisme là-dedans, c'est-à-dire que c'est des artistes qui vendent des disques, qui répondent à une demande. J'ai fait toute une vidéo justement sur l'élitisme pour faire comprendre aux gens que, oui, ces genres de musique, on a le droit de ne pas les aimer, on a le droit de trouver ça même mauvais, mais il faut aussi accepter qu'il y a des gens qui se reconnaissent dans ces chansons et qui les apprécient. Il faut dire qu'on a tous au moins un genre de musique que l'on ne supporte pas. On a beau dire « j'écoute de tout », forcément, il y aura quelqu'un qui va vous sortir un genre que finalement vous n'aimez pas. Ou des genres où vous accrochez moins, où vous avez moins de connaissances parce que c'est simplement pas votre tasse de thé. Voilà, on a le droit de ne pas aimer et il y a aussi des artistes qu'on ne supporte pas. Et parmi ces artistes un peu plus ringards, entre guillemets, il y en a certains, c'est un peu en dépit des bonnes chansons qu'ils ont faites. Je prends toujours l'exemple de Michel Sardou. Parce que c'est pour moi l'artiste qui a vendu beaucoup de disques et que les collectionneurs ne peuvent plus voir ces disques tellement il y en a dans les bacs de marché opus. Et ce qui est un peu dommage, c'est que ça
cache un peu justement la qualité de certaines de ses chansons. Qu'on a également trop entendu, c'est ça le problème, on les connaît de trop. Mais finalement, c'est pas si mauvais que ça. Je pense également par exemple à Claude François ou à Chella. C'est pareil, c'est des artistes qui ont eu des carrières un peu inégales, faut dire ce qui est. Je dirais pas que tout ce qu'ils ont fait est parfait. Mais il y a des chansons quand même chez eux qu'on aime beaucoup et que lorsqu'elles passent à la radio, on se rend compte qu'on les connaît par cœur et on chante avec. Et voilà, et c'est un plaisir coupable. On n'aime pas dire qu'on a ça en disque ou qu'on aime écouter ça à la radio et finalement ça procure du plaisir, non? Vous voyez, ces artistes-là, par exemple, justement, allez, on peut au moins citer 5-6 bonnes chansons chez chacun. Elles te rendront fou de joie, fou de douleur, mais crois-moi plus fou. D'elle, de jour en jour. Si j'avais un marteau, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur. Cette année-là, je chantais pour la première fois. Le public ne me connaissait pas. Ça s'en va et ça revient. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. C'est kitsch, mais vous mettez ça et tout le monde chante avec. Vous voyez, c'est ça ce que moi j'appelle un plaisir coupable. Mais en fait, quand on est en société, si tout le monde chante avec, eh ben on se dit, bon allez, on suit le mouvement, on n'aura pas l'air con. Mais si vous êtes seul à chanter dessus, en fait, vous allez vous sentir vraiment seul. Allez, la chenille, la danse des canards, le gambadou. Voilà, c'est des chansons festives, elles sont très efficaces pour faire la fête, et si vous l'écoutez dans un autre contexte, il n'y a rien de pire pour donner une mauvaise image, quoi. Je dis ça, mais on a par exemple aussi tous nos succès des années 80, les débuts de soirée, ce genre de chansons qui finalement sont assez kitsch, pas un grand intérêt musical, mais par contre, s'il y a bien un truc qu'on peut laisser à ces chansons, c'est qu'on a toujours du plaisir en les écoutant. Et je crois que c'est surtout là-dessus qu'ils font se concentrer. Le plaisir coupable, je vais conclure tout simplement en disant, si la chanson à moi me fait plaisir, oui, j'estime qu'il y a plus intéressant à écouter, mais voilà, on mange aussi des bonbons et on n'en meurt pas dans le principe. Enfin, faut déjà en manger beaucoup, on mange du chocolat, on mange des aliments qui sont peut-être pas consistants, mais qui nous font plaisir. Et je pense que c'est pareil avec la musique. On peut passer tout son temps à écouter du rock progressif, de la musique savante, ou des choses qui sont hyper travaillées, hyper recherchées. Et par moments, il nous faut également des choses, des petites sucreries comme ça, sans intérêt musical, mais efficaces, qui nous donnent du plaisir à être écoutées. Et c'est super important. Donc, si vous avez vous aussi vos petits plaisirs coupables, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Moi, les miens, eh ben, je vous en ai parlé de quelques-uns. J'en ai énormément d'autres. J'avoue que il y en a quelques-uns dans mon lecteur MP3 où j'avoue que quand ça passe sur Dorothée, je cache un peu, mais il y a quand même 2-3 chansons de Dorothée dont je pourrais pas m'en passer, quoi. Voilà. Je dis Dorothée, il y a d'autres choses, mais bon. Mais n'ayez pas honte, je veux dire, la musique, on écoute ça pour ressentir une émotion. Et dans les émotions, il y a la tristesse, il y a la joie, il y a un tas de choses. Mais il y a également justement cet amusement, et on est capable de le faire en musique. Voilà, vous entendez la cheville, vous avez envie de vous lever et de suivre les autres. Après écouter la chenille tout seul, oui, c'est vraiment se sentir un peu seul, c'est vrai. Mais bon. N'hésitez pas donc à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. On est un petit peu plus de 200 abonnés en ce moment, c'est vachement bien, c'est vraiment génial. Enfin,
Je m'attendais pas à un tel succès il y a quelques mois quand j'avais commencé, mais merci à vous de me suivre. N'hésitez pas également à vous abonner soit à la page Facebook ou sur mon blog pour rester au courant également de tout ce que je poste. Voilà, et je vais terminer en disant longue vie aux disques vinyles, y compris aux un peu moins bons. Hein. Ils nous procurent également du plaisir. Et puis, à bientôt !